décolle vers Paris volontairement. On voit qu'on est à 13 FPS. Nord, donc en principe, voilà, à gauche, château de Versailles. Donc on regarde vers l'ouest, on est à 18 FPS. Dès qu'on regarde un tant soit peu vers Paris, ça chute, on est à 10, 9. Léger effet de saccade, enfin c'est supportable au niveau du vol. Image stabilisée, on va dire. Voilà. Et là, évidemment, on a Paris dans le dos, on est remonté à 19, 20, 21. Bon, le château de Versailles, est-il utile de le présenter? Direction Chavenay. Donc on voit que dès qu'on repointe le nez vers Paris, les FPS tombent un petit peu. Grimper assez haut là histoire de voir un peu le résultat. Donc on a une bonne densité urbaine là quand même. Tout suit est à droite. Donc aux environs de 10 FPS, on a toujours ce léger effet de presque saccade. Bon, dès qu'on regarde ailleurs, ça va beaucoup mieux. Voilà, on regarde direct vers le nord, Paris est donc à la droite. 10 FPS. Orly au fond à droite. 8, 7. Mais ça se stabilise assez rapidement, ça remonte. 8, 9.
Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, dès qu'il y a des nouveaux éléments, enfin, on reprend tout en compte, un certain nombre de choses et il recalcule. Après, il stabilise. Remonte à 16, 17. Alors il est au Versailles, il est là-bas, donc celle-ci, ok. Là il est réglé pour 30 fps max. Bon, à droite on voit apparaître les bureaux juste derrière. La boussole. Donc on est stabilisé à 14-15 images. Et on voit apparaître Chavenay. Évidemment, si j'ai les yeux rivés sur le tableau de bord, Chavenay à gauche. Donc là on est assez loin, hein. On regarde à l'opposé de Paris, on est calé sur les presque 20 fps. Quelque part à gauche il y a l'aérodrome de Bennes. Tout ça n'est pas très conforme, mais j'en suis pas encore à l'être. J'étais pas tout à fait dans l'axe quand même, je savais que c'était au centre. C'est la deuxième fois que j'atterris dans cet axe-là, j'ai pas encore bien les repères visuels.